Eh bien, salut à tous les amis, c'est Romain sur Rêve de Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la présentation du Class 9 Ari Axion 950. Donc, on va faire la petite visite. Comment c'est ? Donc, déjà, vous voyez un petit aperçu. J'aime bien faire des petites vues comme ça. Bon, plutôt sympathique. Donc, bon, moi, j'espère que vous allez bien. Quand même, vous avez la forme. Donc j'ai plusieurs classes à présenter après. Donc là on a celui-là, donc le Class Axion 950. Donc l'entretien par jour, donc c'est 80€ par jour. La puissance max, donc c'est 410 chevaux, donc c'est plutôt un gros tracteur. Et donc ça on s'en fiche. Le tracteur est nécessaire pour tracter des remorques et des outils. On savait. Et voilà. Donc pour vous donner un petit aperçu, je vais ralentir quand même. De tous les véhicules que je vais présenter. Bon, par exemple, ça là, je vais pas te présenter un par un. Hein. Je vais tout mettre d'un coup, peut-être, voire même ça aussi. Donc, je vais peut-être présenter aussi le DLC classique, mais bon, ça on va voir. Peut-être pas sûr. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Vous le connaissez, pardon. Donc, voilà. Voici le petit aperçu. Plus lui, qu'on va faire certainement très prochainement, mais quand je l'aurai bien vu. Donc comme dit, c'est un tracteur de 410 chevaux. Donc sinon, extérieurement, comment il est? Il est plutôt pas mal, franchement. Bon, je trouve qu'il... Comme ça, on trouve qu'il est un peu trop lisse, je trouve, ici, à ce niveau-là. Bon, ça c'est un petit détail. Relevage avant, nickel. Les roues, nickel, voilà. Perfecto. Voilà, plutôt, hein, de la cabine. Donc voilà. Donc ensuite on va monter dedans, on va voir déjà un petit aperçu de l'intérieur. Ouais, on a les habitudes de gaz mode. Donc plutôt comme ça. Vous allez voir après quand je vais l'allumer, tout va s'allumer. Quand je vais démarrer le moteur, tout va s'allumer. Donc les options. Tac. Donc on va regarder vite fait celle-là. Donc les trucs de travail, donc j'ai pas trop envie de les mettre. Donc ensuite ici je pense qu'on a... Donc, ça doit être pour jumeler les roues. Exactement. Donc, keypad 9 pour jumeler les roues arrière et keypad 8 pour jumeler les roues avant. Donc, voilà, à savoir. Ensuite, donc, voilà, on sait. Voilà, donc ça, plus besoin. Voilà, ensuite, on a, du coup, les feux de travail. Donc, ensuite, l'intérieur. Donc, on peut baisser le volant, on peut... Ouvrir la porte, allumer ça, changer. Donc ça, bon, c'est sûr, ça il me semble qu'on peut l'utiliser du coup. Non, c'est pas utile. Mais ça, quand on a quelque chose à l'arrière, ça se remplit vraiment. Il me semble que c'est ça. Je suis quasiment sûr même. Bon, ça, on verra quand il sera allumé, je pense. Ensuite, donc, carreau arrière, on peut bien sûr l'ouvrir. Porte de gauche, bien sûr aussi. Là-haut, on peut mettre le petit pare-soleil. La radio, on l'allume, on l'éteint, qui fait pas de musique. Et ici, je sais pas à quoi ça sert, mais il est là, en tout cas. Donc, on a une petite lumière quand on... Ici, quand on ouvre une... Et les deux côtés, quand on ouvre une porte. Du coup, quand on ferme, ça s'éteint, c'est magique. Ah oui, aussi, on peut ouvrir le petit carreau ici. Voilà, pare-soleil, ça va, il n'y a pas trop de soleil pour l'instant. Donc voilà. Sinon déjà juste pour vous dire, donc là pour l'instant ce sera pas sur Gift of Cocajus parce que j'arrive pas à télécharger la map. Donc c'est ce que j'aurais voulu pour pouvoir en plus faire la salissure. Mais bon, la plupart des modes que j'ai normalement se salissent. Mais donc on verra si je fais. Mais bon, c'est pas trop évident, faut rouler plein de fois. On verra plus tard. Donc voilà. Ensuite, donc on va regarder. Donc on va démarrer le moteur. Le petit bip bip, bien sympathique. Donc on voit déjà tout qui s'allume ici. On a l'écran qui s'allumait juste ici aussi. Donc on va allumer tout au passage. Tac. Ici on peut modifier. Donc hein, c'est en temps réel. Donc là si j'avance, ça bouge. Donc voilà. Donc ici. Là donc ça c'est à peu près la même chose mais différemment, j'ai l'impression. Donc ça j'ai montré, bon voilà. Donc ensuite
Donc insonorisé, bon ça je pense que c'est avec le drive control, donc la plupart des véhicules seront insonorisés je pense. Donc ça c'est avec le drive control donc qu'on a. Qui écrase les cultures hein, comme vous l'avez pu voir depuis l'un des premiers épisodes de farming sur notre chaîne. Donc déjà comme ça, plutôt sympa, j'aime bien son petit bruit, franchement. Il est vraiment sympathique. Donc ensuite, j'ai acheté des faucheuses pour qu'on puisse entendre un peu quand on active quelque chose avec. Qu'est-ce que ça donne quand avec le régime moteur et tout, enfin vous voyez. Toi-même tu sais. Alors. Là, on va attacher ça. Petit bip de recul. Bien sûr, c'est pas du bon sens, merci Gérard. T'aurais pu faire ça correctement. Je sais pas ce qui est Gérard, mais bon, ça doit être le mec du concessio, je pense. Enfin, vu que je l'appelle comme ça, oui. Donc, on va essayer de faire ça correctement, même si ça risque d'être catastrophique. Comme d'habitude, voilà. Bon. Et moi qui fais un fail déjà en début de vidéo, enfin. J'avais remarqué quand même avant, mais j'avais pas branché les pédales au volant, je risque pas d'avancer avec. Eh ben. Voilà. Donc. D'ailleurs, là, les faucheuses, on va en parler vite fait. On va acheter toutes les faucheuses dans ce cas-là. Donc, ces faucheuses sont des reskins de celle de base. Voilà, donc elle est là. Et je trouve vraiment pratique parce que bon déjà par exemple avec le classe ça fait un ensemble. Mais sinon ce que j'adore c'est que du coup on peut vraiment utiliser que l'avant donc qui se trouve ici. Et puis l'arrière là de qu'un côté parce que je trouve que avec ça ça fait quand même pas mal grand. Donc même si on a des pas mal grosses parcelles, enfin voilà merci le français. Des plutôt grosses parcelles bah du coup même ça ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Et je trouve vraiment sympa, comme ça on va ni trop vite ni trop lentement. Je trouve ça vraiment sympa. Donc du coup on a de largeur, donc là-bas on peut le déplier bien sûr, hein. C'est comme le rejet. Merci le français encore une fois. C'est comme celle du jeu. Donc ces faucheuses vous pouvez les retrouver sur Frabelle. Le seul petit bémol c'est que... On va regarder ça là à l'avant. Il est un petit peu trop au sol. Là, il est baissé. Là, il est monté. Oui, je sais, ma touche pour baisser, c'est un peu la touche pour zoomer en même temps. Bon, voilà. Ouais, donc du coup, je trouve qu'il est un peu trop au sol. Ça, c'est le petit bémol qu'a la faucheuse. Mais sinon, à part ça, je pense que j'ai rien à dire. Ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que à l'intérieur, on voit tout. Donc, gyro. Voilà. Clignotant. Attaque, warning, bien sûr, c'est la base. Donc ça, vraiment sympatoche à l'intérieur, vraiment sympatoche à l'extérieur. Bref, c'est un bon mode. Ouais, donc comme dit pour l'instant, bah, je vais faire les présentations de mode sur la ferme limousine. La plupart de vous connaissez la map. Donc je pense pas que je vais faire une découverte dessus, enfin une présentation de map. Par contre, il y a une map qui s'appelle Grand Brain, un petit peu moins connu mais vraiment sublime. Les textures, textures dans les champs, c'est plutôt une grosse map donc plutôt avoir du gros matos et tout. Ça s'appelle Grand Brain, et elle promet celle-là. Bon, ça fait un moment qu'elle est sortie mais voilà, je l'adore. Donc voilà, du coup. Pour l'instant, je pense que c'est tout pour cette présentation de mode. Hein. Je pense qu'on a fini. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter non plus. Ça, c'est à moi de voir. Donc voilà. J'ai montré vite fait au passage les faucheuses. Hein. Donc là. Voilà. Tadam. Et là, vous aurez l'impression que je cours super vite. Non, comme ça. Alors qu'en fait, voilà. Vitesse. Ouais, donc voilà. Sur ce, c'est sur cela, cette belle photo que j'aime bien faire des trucs comme ça, que se termine cette présentation de mode. Donc j'espère que vous aurez aimé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Facebook. D'accord, à la chaîne Facebook. Vous risquez pas de vous abonner à la chaîne Facebook, mais de vous abonner à la chaîne et de liker la page Facebook.
ça nous ferait plaisir. Donc si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite au revoir. Je vous souhaite rien de spécial. Et puis je vous souhaite de passer de bonnes vidéos en notre compagnie sur F2 Gamer. Allez, à la prochaine les amis.